famille, rebonjour. Rebonjour, rebonjour. Vous allez bien, j'espère. Connectez-vous. Alors, nous allons discuter un peu. C'est samedi, mais le combat ne s'arrête pas. Connectez-vous. Bonjour, bonjour. Pipez, partagez. Connectez-vous. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, bipez tout le monde, appelez-moi tout le monde. Voilà, partagez ce direct. Et c'est samedi certes, mais le combat continue, voilà, car le grand frère est toujours détenu. Voilà, pour des raisons que nous ignorons. Nous avons vu, nous avons lu des articles, nous avons des témoins. Nous savons, nous avons écouté le bâtonnier Chungang. Ancien bâtonnier Chungang, maître Chungang avant-hier, donc le dossier est vide. Donc libérez monsieur Amuru Belinga, s'il vous plaît. Voilà. Libérez-le, c'est un père de famille, c'est un patron, voilà, c'est un grand frère, c'est un aîné, c'est un mari. Si. Les gens ont besoin de lui, nous on a besoin de lui. Voilà, on a besoin de ce grand frère, on a besoin que vous le libérez. Voilà, votre colonel change comme le camion là, je sais pas, envoyez-le en psychiatrie ou quelque part, mais arrangez-vous quoi. Vous êtes toujours arrangé quand vous commettez des crimes là depuis la nuit des temps, nous on le sait. On était encore petite, on nous disait même qu'il y avait une fosse à Lyon ou à Cocody là-bas où vous lancez les gens pour les faire taire. Voilà, donc libérez Amuru Belinga, parce que vous êtes là, vous êtes coincé. Vous ne pouvez ni le garder, ni le tuer. Donc, libérez-le. Parce qu'il y aura soulèvement. Oui. Parce que nous tous, maintenant, on va devenir... Ça dit, nous sommes maintenant devant l'écran. Moi, comme ça, là, il me met devant. Et dès que j'ai une minute, je lance le direct. Voilà. Donc, j'avais mon fils pour les vacances, vous avez bien compris. Voilà. Là, il est reparti. Donc, maintenant, même 10 directs par jour, je vais faire. J'ai dit que le clan d'en face, vos associés m'ont mis au chômage. Donc, je n'ai plus de travail. Je n'ai plus rien. Donc, même 10 directs par jour, maintenant, je vais faire. Je faisais un direct comme ça parce que j'avais le petit pour les vacances. Maintenant que le petit reprend l'école, même 10 directs par jour, je vais faire parce que je n'ai plus de travail. Voilà. Je suis au chômage et votre pute m'a mis au chômage. Voilà. Mais comme je suis allée me cacher quelque part pour reprendre le travail, elle est venue me chercher là-bas pour me mettre au chômage. Donc je suis là, je vais travailler maintenant. J'ai dit ici là que même dans mon propre camp, je tire. Donc même si c'est mon frère du village, que je vois son article, que ce n'est pas bon, je publie, je partage. Vous n'aviez qu'à dire à votre pétasse de remettre mes choses. Voilà. Bipez-moi Lady Mimba, parce qu'elle va lui dire deux mots. Mais vraiment, tu es la musicienne la plus malheureuse. Pour toi, quand tu te maquilles, tu portes les habits prêtés dans les prêts à porter. On te maquille gratuitement, on te coiffe gratuitement. On te filme gratuitement. Hein? Tu viens, tu te filmes. Hein? On te filme avec tous les filtres et tout. Tu postes. Ça veut dire que ta vie va bien. Ta vie ne va pas bien du tout. Tu n'es rien du tout, tu ne vaux rien. Montre-nous un sac de marque ou une chaussure de marque que tu portes. Hein? Voilà. Donc, tu n'as rien, tu ne vaux rien. Ton studio que tu as là-bas, là, hein? C'est le ministre Sadi. Oui, je donne les noms, je vais te causer les problèmes dans ta vie. C'est le ministre Sadi qui a acheté le matériel, qui a envoyé ses éléments pour contrôler ton studio là-bas derrière. Oui. Dieu me l'a dit. Et t'es laissé aller faire la borderie avec tous les vieux là et garder tes enfants. Donc je vais donner leur nom, Lady. Je vais te foutre le bordel dans ta vie. Tu ne peux pas savoir. Parce que tu ne peux pas faire que tu me voles. Même comme je suis tranquille dans mon coin. C'est toi qui m'envoies les armes, les avocats qui veulent mettre les graisses sur mon casier judiciaire en France. Et c'est toi qui cherches même que dès que j'ai même une petite soeur quelque part ou bien une amitié quelque part et tout. Tu as publié mon français médecin ici. Je vais te crêter, je vais te mettre la bombe au cul. D'accord? Ton studio là que tu as conçu là, c'est le ministre Sadi. C'est mon oncle et tout, mais il donne son nom. Je commence là-bas par lui. Les autres, j'arrive sur eux. Oui. Vous allez dire à votre pute
de remettre mes choses, de dire à ses copines parce qu'elles n'ont pas tout jeté. Voilà, bon, on m'a dit que c'est toi qui as mon barbecue. Brigitte, tu as déménagé du carrefour, de trucs là-bas, là, d'Argenteuil. Mais je vais trouver ton salon où tu as déménagé en région parisienne. J'ai dit que je n'ai pas d'argent, je suis sur vous. Je vais vous montrer que quand on vous dit qu'elle avait l'argent avant, que j'étais une gangster dehors. Et vous, ça dit, je vais vous couler. Vous m'avez coulé en bain. Que tout le monde m'insulte maintenant que oh, elle n'a jamais rien fait. Elle est ceci, elle est cela, machin. On va tous perdre dans l'affaire que vous voyez ici. Oui, oui, ce qu'on va tuer, on tue, on bute. Rien à foutre, ça fera des salopes de moi. Ouais, ouais. Toi, Lady Ponce, tu viens en public, tu commences à chanter Konengue, tu chantes Konengue. Hein? Pas tes shows, t'ont dit qu'ils vont envoyer un Mgoblinga à Konengue. Hein? Nous, on sait que ce n'est pas Mgoblinga qui a tué Martinez Zogu. Que ce sont tes shows. Toi, la pétasse, quand tu partais sur les Mimbarnes, tonton, tu aurais dû la fermer sur Facebook. Tu l'as tellement ouvert, ton frère et toi. J.P.N. Jansan, vous l'avez tellement ouvert que les Camerounais maintenant savent que c'est vous. C'est vous. Oui. Ce sont tes chauds qui ont tué. Oui, 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 Martinez Zogo. Voilà. Toi, tu as le macabre d'âme Robelinga parce qu'il t'a demandé de remettre mes choses. Il t'a appelé. Il t'a dit remets les choses de la fille Nanga. Elle t'a gardé les enfants. Remets. Oui, 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 oui. Tu ne pourrais pas savoir que moi j'avais aussi mes contacts à côté de nous, bien quelque chose. On t'a demandé de me remettre. Il a dit, mais tu es tellement mauvaise, tu es tellement méchante que comme tu couches avec un que tu penses que si Paul Biya meurt aujourd'hui, c'est lui qui sera le président du Cameroun. Toi, pour toi, tu es déjà première dame. Donc ça veut dire que tu fais les conneries au Cameroun. Tu menaces tout le monde, tu menaces tous tes collègues musiciennes, jusqu'à. En France, tu voles mes affaires. Tu prends mes diplômes que j'étais à l'école avec. Tu brûles, tu appelles ça que poubelle. Tu prends les choses de mon enfant. Tu prends la pierre tombale de mon père. Tonton, ça dit. Lady Ponce, ma part, a consom un lingito, qui est ton frère. Elle a pris la pierre tombale. Elle a foutu à la poubelle. Je sais que c'est toi qui as acheté le matériel pour son chantier là-bas au Dja. Quand tu dis qu'au Dja, elle a son studio là-bas, il sait que c'est toi, il m'a dit que c'est toi qui as acheté le matériel. Oui, les autres tontons, je vais donner vos noms, je vais donner tout ce qu'elle m'a dit sur vous. Quand vous partiez dans les hôtels avec les canards qui chantaient quoi, 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 qu'elle prenait les étudiantes pour venir partout avec vous, je vais donner vos noms. Celui-là, c'est mon nom que je donne d'abord son nom. Oui, oui, oui. C'est lui qui a conçu le studio de Dja. On est dimanche aujourd'hui. Lady, à gauche, le pépé. Oui. Tout le monde va régler son compte, c'est ça. Le Cameroun est un pays maudit, comme vous dites. Ils n'avaient qu'à eux-mêmes ne pas commencer à régler les comptes de M. Amoubelinga. Voilà. Comme ils ont voulu régler le compte du Zomloa, du coup, tout le monde va régler son compte dans cette histoire-ci. Celle de Lady Mimbansi, elle avait fermé. Si son père, si son frère Jupon n'avait pas exagéré, hein? C'est-à-dire qu'à nous montrer l'horreur, nous dit que si ça, 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 on ne se serait pas tous mêlés parce que tout le monde vomit maintenant, tout le monde est dégoûté, tout le monde vomit tous ces gens. Et Lady Ponce peut te dire que la moitié des cantaves t'ont vomi. Et ils vont te le montrer. Voilà qu'Angèle Kameka dit qu'ils ont marié leurs enfants. Hier, yeah. On t'a invité. On t'invite seulement dans les concerts quand il faut aller te déshabiller, te mettre à poil. Bordé, bordé. Tu ne vaux rien. Tu as vu le mariage du petit-fils de Kadine des photos et de Congèle Camier. C'était les Peace Square, c'était les Dadjou, c'était les machins, c'était les artistes étrangers. Le seul qui a chanté, c'est Mister Léo. Parce que sa musique même tire vers la musique nigérienne. On a invité quelqu'un. Hein? Lizzie et Zemé, la vie me frappe. Tu es sûr que la vie me frappe? Tu es sûr que la vie me frappe? Lady Ponce m'a volé 100 000 euros. Vous savez ce que c'est qu'on te vole 100 000 euros? On te vole tout jusqu'à tes diplômes en Europe. Pour te relever, c'est pas facile.
toi, tu penses que la vie me frappe. La vie ne me frappe pas. La vie ne me frappe pas. Ne pensez pas que parce que j'ai eu le poids avec Lorraine, que vous pensez que la vie me frappe. Hey, j'ai eu le poids avec elle. Je suis relogée ailleurs. J'ai mes habits, j'ai mes chaussures, j'ai mon argent, j'ai ma voiture. Je ne manque, je peux amener mon fils en vacances. Oui. Pour vous, la vie me frappe parce que Lady Ponce a mené, a monté une petite Lorraine Mungke, va la filmer, va la taper, va la mettre dehors. Vas-y, 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 vas-y. C'est vous qui êtes bête. C'est vous qui êtes bête. Toi qui viens me dire que la vie me frappe. Je continue. Toi qui viens me montrer que la vie me frappe. Attends, je te montre quelque chose. Je te montre. Attends, c'est un peu serré parce que mon sac est un peu machin. Je ne me croyais même pas. Je paye mes assurances. Tu as vu ça? Voilà, ça c'est mon autre compte. Tu as vu ça? Tu as vu la banque ici? Demande aux gens. Pour avoir un compte dans cette banque-ci. Si c'est n'importe qui a son compte là-bas. T'as vu? Si c'est n'importe qui a un compte dans cette banque-ci. Ça, c'est mon chéquier. C'est mon compte. Tu vois les cartes bleues de ça? Tu veux que je te montre son vidéo? Continue à croire à ce que vous lisez sur Facebook. D'accord? Je ne paie jamais. Avant jamais être dans la merde ou souffrir, comment vous vous faire croire? Laissez-moi vivre comme j'ai décidé de vivre. Voilà, j'ai dit que je veux faire mes fumaisons, je veux vendre ma cuisine africaine. Comme ça ne me va pas, il n'y a pas de problème. Voilà, hein? Avant, je vivais sans collaborer avec mes soeurs. Voilà. Je me suis dit que non, je vais un peu collaborer avec mes soeurs pour changer un peu d'affection, tout ça. Moi, je suis en Europe depuis. Hein? Je suis partie étant toute jeune. Ma famille était tout. Même quand je pars au Cameroun, je n'ai pas vraiment cette chaleur-là et tout familial. Donc, je me dis, voilà, je vais essayer d'avoir un peu de chaleur avec mes compatriotes, mes soeurs ici. Mais ça ne me réussit pas. En 2 ans, là, j'ai tout eu. Donc, c'est bon. Et je peux vous dire que Lady Ponce, elle est restée avec toutes mes choses. Parce que les gros yeux, le gros cœur, quand elle a vu mes choses. Hein, avant de venir prendre tes choses ici, il faut que le juge te donne une dérogation. Il faut que ma soeur, parce qu'elle voulait d'ailleurs voler mes choses. Je lui ai dit que ma soeur, je vais venir chercher mes choses quand j'aurai où aller mettre mes choses. Parce qu'il s'agissait de 3 camions de déménagement. Elle a profité, elle a volé. Elle a volé. En 1 an, j'ai racheté tout ce que vous me voyez avec là. En 1 temps record, j'ai tout racheté. Oui. Mon appartement au Luxembourg, presque 2000 euros par mois. Ah oui. Viens vous poster les feuilles, les factures, mon contrat de bail. Viens vous poster ça un jour. Tu entends? Voilà. Donc, chez Lorraine Mungela, je suis partie. Sur assez 1 mois et demi. J'habite à l'hôtel. Moi, j'aime les hôtels. Je vis à l'hôtel. Au moins 60, 70 euros par jour. Qui paye ça? C'est vous? Hein? C'est vous qui payez. Quand me voit là, il ressemble à une fille qui peut souffrir. Avec le corps que j'ai, avec la tête que j'ai. Hein? Même aller m'asseoir à mariage quelque part et pas, je m'assois. Donc restez toujours sur Facebook là à quoi, à ce qu'on vous raconte. Voilà. On vous dit que ouais, elle n'a pas d'homme. Ouais, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Mais quand vous voyez la fille devant la caméra, vous voyez comment elle tient, comment elle marche. Je ressemble à une poisseuse. Devant vous, on m'appelle, je gagne les marchés de 5 000, 6 000 euros. Je peux souffrir. Vous pensez qu'elle peut souffrir, moi? Je ne peux jamais souffrir. Parce que je suis la première fille d'un monsieur dans toute la Haute-Sanara qui a fait du bien. Tous ces gens-là sont passés chez mon père un jour. Ils ont mangé, ils ont bu. J'ai grandi comme ça. Je peux avoir un problème ici maintenant, mais avant les 24 heures, le problème est résolu. Je ne peux jamais, grand jamais. Et moi, je peux vivre partout. Hein. Je peux vivre partout. Je peux vivre dans le luxe comme je peux vivre dans... Ça, c'est la plus grande richesse d'un être humain.
Voilà. Donc arrêtez à penser que parce que vous lisez que wow, elle a les problèmes. Wow, elle est comme ça. Wow, machin. Non, 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 non. Je ne peux jamais. Tous ces gens-là ne me connaissent pas. Même que j'ai habité chez elle, on peut vous dire que peut-être 3 jours, 4 jours, on est resté comme ça. Et même vous restez comme ça là, vous ne discutez pas, vous ne vous donnez pas les. Vous ne vous dites pas les secrets, vous ne vous dites pas les choses. Donc elle ne me connaît pas. Lady pense pareil. Parce qu'avec le Covid, elle a tapé 9 mois au Cameroun. Quand elle est venue, c'était pour quelques jours. Elle est repartie. Elle est encore revenue pour quelques jours. Donc, pas le temps de me connaître. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Vous avez vu une personne qui peut voir l'argent, elle peut enterrer quelque part, elle vient vivre avec vous, elle mange le mpelé, le kaba. Vous êtes là, vous pensez qu'elle n'a pas. Elle sait ce qu'elle fait. Vous êtes bête, le feu sort. Vous me connaissez pas. Vous me connaissez pas. Mais j'aime. Parce que je suis un verso, personne ne peut me connaître. Même si je dors avec toi sur le même lit là, tu ne peux pas tout connaître de moi. J'ai passé 40 jours à Lourdes. Passé 40 jours à Lourdes, c'est une ville touristique. Tu habites à l'hôtel, tu manges les bougies, tout, tous les jours, je vivais tout avec vous, les fleurs et tout. Vous savez combien ça coûte? Hein? Ce que j'ai dépensé en 40 jours, c'est ce que vous les connasses qui venaient m'insulter là, dépenser en une année ou bien en 6 mois. Vous me connaissez? Vous me connaissez pas, et tant mieux. Donc arrêtez vos petites insultes là, vous pensez que ma chère Lady Ponce n'a pas, elle ne pourra jamais. Même si elle couche avec tous les ministres, les ministres, elle lui donne même quoi? Qu'elle sort avec? Elle ne lui donne rien du tout. Lady Ponce, montre-nous. Tu sors avec les ministres. Tu sors avec l'autre. Il te donne quoi? Donc, on a fini d'être tulipiné. Un jour, 2 jours, quelque part. Et toi, on te donne 1 million, on te donne 2 millions. C'est l'argent, ça. C'est l'argent, ça. Une fille bête comme ça, qu'elle sort avec les hommes là. Elle peut aussi essayer de gagner les marchés comme les autres gagnent les marchés là et tout, tout machin tout. Hein? Elle est bête, le feu sort. Vous venez là, machin tout, blablabla, blablabla. Vous pensez qu'elle est quelque chose. Elle ne vaut rien du tout. Elle vit dans un studio. Que c'est le ministre Sadi qui a construit. Oui. Voilà. Je vais commencer à donner les noms ici, la lady. Les noms des tontons. Celui que tu as dit que tu partais, celui que tu partais par deux ans avec lui, avait donné son nom. Et tout. Tu vas voir. Comme tu veux, quand tu. Amourvelinga, là. On va te buter au Cameroun. Je vais mettre toutes les tatas là sur toi. Toutes les tatas que tu sors avec leur mari là. On va voir si toi, tu vas vivre au Cameroun. Parce que tu viens en public. Hein? Tu veux qu'on enterre un Camerounais. Qui a les milliers. Tu danses. Tu es contente. Un monsieur qui a les milliers d'employés et vous les employés de monsieur Amourvelinga là, je vous demande de faire les neuvaines, d'entamer les chaînes de prière pour lui. Et vos chaînes de prière, quand vous faites, faut dire que ceux qui veulent le tuer la meule, que Dieu vienne les chercher ou bien leur père Satan. Ne riez même pas, l'heure est grave parce qu'on veut vous nuire, on veut gâter vos vies où vous êtes là. Vous avez vu ma vie. Si je n'étais pas une fille battante, elle m'a volé 3 camions de déménagement, mes diplômes en France, les effets personnels de mon fils, jusqu'à la pierre tombale de mon père, elle a volé. Après, elle a pris l'argent que ces choses lui donnent au Cameroun. Elle a payé les blogueurs pour faire le sale boulot. Quand vous venez m'insulter, là, est-ce que vous me connaissez? Et vous êtes tellement bête. Quand vous me voyez là, comment je suis comme ça? Je ressemble à une fille qui peut souffrir en Europe. Je ressemble à une fille qui peut manquer au dormir. Beaucoup d'entre vous, là, vous êtes assis avec les petits gars, les petits hommes et tout, qui gagnent les 1500 euros par mois. Les 1200, même pas 2000 à tout, tout, machin, tout. Donc, moi, il y a un peu possible d'aller m'asseoir en mariage quelque part. Hein? Mais, sauf que moi, j'ai mis la barre haute. Ma barre est très haute. Ma barre, c'est une autre dimension. D'accord? Donc ne perdez plus vos précieux temps à venir dire que oh, tu n'as pas vu comment nous machin tout comme nous elle bla 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 et tout. Et je peux vous dire, je peux vous jurer que Meng, où elle est là, elle regrette pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Mais c'est le démon, c'est le diable. Voilà, c'est le diable, c'est ça. En faisant, elle était pour vous montrer que oh, elle a une maison en France. Voilà, vous l'avez poussée pensant que ouais, si j'ai ce poids, je vais me retrouver à la rue. Et vous êtes tellement
Vous êtes tellement à fond dans votre truc que vous pensez qu'une fille comme moi, comme ça, que quand je passe, les blancs me regardent, les noirs me regardent, les hommes se retournent. Je peux travailler, j'ai des papiers en France. Vous pensez que moi, elle peut souffrir. Je vous ai montré, voilà mon chéquier. Vous savez ce que c'est que pour avoir un compte dans la banque ici. Vous savez combien il faut avoir? Demandez le compte. J'ai mon compte là, j'ai la poste, j'ai la Société Générale. Ici, je n'utilise pas n'importe comment. D'accord? Voilà. Donc, je ne suis pas à votre niveau. Attendez, comment on va vous dire que... Pierre Safoutier. En fait, quand je dis pierre tombale, ce n'est pas vraiment les grandes, grandes pierres tombales. Et même, tu peux acheter ta grande pierre tombale ici et puis tu payes. Tu vas au frais, tu payes et puis on transporte. Tu as des petites pierres tombales en forme de cœur que tu prends. C'est symbolique, même si ça ne coûte pas cher. C'est un truc que tu as acheté pour ton parent. Donc, même si c'est 10 euros, même si c'est 50 euros, même si c'est 100 euros, même si c'est 500 euros, c'est un truc symbolique. La pierre tombale de mon père, c'est une pierre que j'avais achetée au Luxembourg en forme de cœur. Bien noir comme ça, j'avais fait emballer parce que je partais au Cameroun pour l'enterrement de mon oncle et tout, hein. Et puis elle m'a commencé la sorcellerie là, quoi. Voilà. Non, tu peux acheter pas ça. En fait, les pierres au Cameroun, on n'a pas encore bah oui, ça se vend partout en France, même sur internet tu peux commander, hein. En fait, au Cameroun, on a des gares qui font, mais sauf que ils n'ont pas encore les appareils pour découper le granit, le marbre. Voilà. Bon, ils ont des appareils pour découper, voilà, faire des formes simples, rectangulaires, carrées et tout. Mais pour les moules, pour découper les appareils, couper, faire des formes en cœur ou des formes comme on voit surtout des tombes là partout en France et tout, ils n'ont pas encore. Donc du coup, si toi tu veux un genre de design pour la tombe de ton parent, tu es obligé de commander certaines choses ici et puis amener. Voilà, tu envoies pas le fret, tu fais bien emballer et puis ça arrive. Et oui, tu envoies au fret aujourd'hui là, tu prends ton avion jeudi ou vendredi, tu arrives à Douala, tu vas récupérer ton truc. C'est comme ça. Et oui. Claire, si tu veux refaire et tout, tu me contactes inbox, j'ai les numéros des gars, mais sauf que tu pourras pas avoir les modèles que tu as ici. Mais ils font du super boulot, moi. Hein. C'est pour ça que la majorité de personnes qui font les tombes de leurs parents au Cameroun font des choses simples. Voilà, parce que au Cameroun, les gars n'ont pas encore les moules et les appareils pour bien, pour scier, pour donner des formes et tout et tout. Voilà, donc c'est ça. Donc, moi, je voulais faire un truc simple et puis déposer ces petits trucs en forme de cœur là, avec des petits vases. Vous verrez même que même là-bas, là, ils font pas les vases, comme tu vas trouver les vases ici pour mettre sur les tombes et tout. C'est pour ça que beaucoup achètent ici pour ramener. Les gens achètent ici pour ramener. Voilà. Et puis quand tu achètes quelque chose pour ton parent qui est décidé, c'est quelque chose de symbolique. Que quand ils volent ça, ça veut dire que la personne, c'est comme si la personne a tué ton parent une seconde fois. C'est pour ça que les gens sont là, wow, tu as suivi, tu as suivi, tu as suivi. Lui, tu voulais me tuer. Elle a tué mon père une seconde fois, mais je vais jamais la lâcher. Même si je meurs, mon fantôme va la hanter. C'est pas les histoires qu'elle pense que parce qu'elle allait prendre les mamies Ouattara. Elle dit, tu ne peux pas. Elle dit qu'elle va te hanter toute ta vie. Elle va te foutre le bordel dans ta vie. Tu ne sais pas. Comme j'ai prononcé le nom du ministre Sadila. Lui-même, il sait. On l'a déjà bipé. C'est mon tonton. Un tonton, une mère. C'est moi. Elle a dit que c'est toi. Donc, c'est toi qui as conçu son studio là-bas derrière. Tu as envoyé. Ah oui, les employés du ministre sont là. Ils m'ont amené, tu sais, il y avait la baignoire. Ils m'ont acheté la baignoire. Et tu vois là, une fausse gare comme ça. Tu sais, avec les ministres, c'est les studios qu'on te construit. Les ministres construisent les immeubles aux filles. Ils donnent les marchés de 500 millions, 200 millions aux filles. Vraiment. Et tu penses que l'autre là, s'il est président du Cameroun, il va aller où avec une idiote comme toi, qui dit les gelades, dit que machin et tout, une fille, que tout, une serpillère, que tout le monde a un binda. Tu me bindas avec les fémans, tu me bindas avec les faux infirmiers, les faux avocats, les bandits, tu me bindes avec tout le monde. Et tout. Un monsieur comme ça qui veut devenir président du Cap. Tu es Tchalamwana. Même Tchalamwana, même avant que le président Kabila ne prenne, Tchalamwana n'a pas fait la borderie comme toi.
Tu sais bien. Ton mari a dit que tu es l'eau, tu es l'océan. Chacun vient y boire la contenance de son ventre. Voilà. Ça dit que tu es l'océan comme ça, là. Chacun vient y pipise, il boit, il boit, il boit. Quand il a fini de boire, il a étanché sa soif. Hein? Qui n'a plus soif, il part. Il passe le gobelet à l'autre. Je suis sûr même que les tontons, là, ils savent tout ce qu'ils me disent avec toi. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai donné le nom d'un. C'est mon oncle, il ne va rien me faire. D'accord? Et même, il ne vient plus au Cameroun, il m'en fout. M'en fout de votre pays là, quand on dit qu'une fille se peut, vous êtes tellement méchant. J'ai tout fait pour le Cameroun, pour les Camerounais, mais tout ce qu'on m'a rendu, c'est la méchanceté. Donc vraiment, je m'en fous. D'accord? Voilà. La cuisine qui était même la seule chose qui me reliait encore, que oui, Camerounais et tout machin, tout là, j'ai déposé ça. Bah, ça m'a apporté que des problèmes. Je suis retourné dans mon milieu avec les whites. D'accord? Voilà. Le seul contact avec les Camerounais maintenant, c'est mes amis proches, c'est ma famille, c'est ceux qui ne m'ont jamais trahi, qui sont avec moi. Le reste là, je m'en fous, j'ai pas besoin d'amis. J'ai même pas besoin que vous m'aimiez. C'est pour ça que vos insultes ne me disent rien. Et quand j'ai une minute, je vous insulte. Vous n'êtes rien dans mon système. Et vous ne pouvez pas être. Vous savez où? Vous n'êtes absolument rien dans mon système. Rien. Et ne me provoquez pas. Parce que toute personne qui me provoque, moi, je suis ancrée, tellement vous m'avez fait du mal, que je suis ancrée dans les prières violentes. Si je te soupçonne dans mon affaire que tu es en train de vouloir que moi j'ai des problèmes, 3 jours de jeûne, je prie sur toi, tu vas avoir des problèmes. Oui, ma prière à Lourdes était que la Vierge Marie fasse que Lady Ponce vienne en public montrer aux Camerounais sur toi et quand. Je te dis que je lui ai dit, elle dit qu'elle est SP la Nubelloise. Je lui ai tout dit jusqu'à être obligée de payer mes soeurs Bamileke. Et regardez ce qu'elle a fait, elle a payé que les Bamileke. Vous avez vu une fille bêtise, me vilipendait là, à part Perpétue Maléba. Bassa, elle n'a payé que les filles Bamileke pour me vilipender et les Bamileke. Pour cogner les têtes entre les bêtises et les. Elle est parmi les quais. C'est une manipulatrice, cette fille. Elle vient vers les bêtises quand il faut. Et après, elle va chez les bamileke quand il faut. Mais tu vas avoir honte. Parce que chez les bamileke, on va te jeter. Et chez les bêtises, ici-là, vraiment, tu as dégoûté tout le monde. Tu as dégoûté. On tente toi seulement des likes, tu as là. Mais ça m'étonnerait qu'un grand bêtis, encore, avec ce que tu as fait au Zoom loin, t'invite encore chez lui. Oui, tes frères que tu publies souvent là, que le maire de Yaoundé, c'est Yaoundé 6e ou bien qui machin, on sait que eux tous rampent dans les trucs et que demain après demain ils peuvent avoir les problèmes. Ils ont vu ce que tu fais aux zones loin et tout. Ils ont vu ce que tu as fait aux zones loin. Le maire de Yaoundé 6e qui t'a pris les biens, qui t'a marché et tout, tous les grands et où. Si quelqu'un prend encore ton téléphone, lui dit, parce que tu es venu, parce que toi tu supportes ton amant. Mais ton amant même, il ne pense pas qu'il t'a envoyé sur les réseaux sociaux parce que tes multiples amants. Tu es venu toi-même avec ton frère jusqu'à venir nous donner les détails de comment Martinez a été assassiné. Les avocats, ils ne connaissent pas les détails de l'anatomie, de ce qu'il y a sur le corps de Martinez et tout machin. Toi, tu es venu, tu as donné les détails. Ton frère Ngoromimbon a donné les détails. Vous allez nous dire comment se fait-il que depuis le 5 février, hein? C'est le 5 février ou bien c'est comment? Vous avez déjà annoncé que on va le tuer. On va tailler ses orteils, on va lui faire bouffer ses excréments, on va machin, on va l'enculer et tout machin. Tout. Lady, ton frère et toi, vous allez nous dire à nous les Camerounais. Vous allez nous dire. Vous allez nous dire. Vous m'avez fait ici, je suis venu, pleurer les Camerounais. Dit, oh, ferme la bouche, même. Je dis que oui. Donc, vous ne demandez pas justice pour une pauvre fille comme moi. Vous ne voyez pas aussi que quelque part, elle représente le Cameroun avec ma cuisine. Non. Mes propres soeurs se sont versées sur moi, mais j'aime parce que une à une, chacune m'appelle et me dit Coco, pardon. Coco, pardonne-nous.
Coco, pardonne-nous, hein. Mais comment vous voulez qu'on me fasse ça et que je ne devienne pas amère? C'est normal que je sois amère. C'est normal que si je croise une de ces filles-là, même comme ça, elle est morte, elle boule va comme ça, je ne ressens rien parce que c'est elle qui est au téléphone avec maman. L'autre, Lorraine. Mathilde Brun reste 3 heures, 2 heures de temps au téléphone avec Lorraine. C'est elle qui dit à Lorraine comment faire le téléphone. Et comme elle était tellement sadique, la fille qui est morte là, dès qu'elle finit avec Lorraine, elles ont fini de faire comme ça. Comme le soir de la mort de Céline. Voilà, c'est le soir là qu'il y a eu clash. Elle prend son téléphone pour m'appeler. C'était certainement pour m'enregistrer et puis mettre dans leur Congo Saba. Et tout. Et comme moi là, moi, après moi, j'envoie tous les voix ici et tout, machin, tout, j'allais envoyer les voix, mais quelque chose m'a dit que ne réponds pas. Mais si elle te cherche, ce qu'elle t'a fait avec ton enfant à 4, tu es dans ton coin. Si elle revient se mêler de tes histoires, si elle met la bouche dedans, elle sera frappée. Mathilde Brun est partie mourir chez Calvino, le Ngenderu qui chante là, de Bolova là. Oui, elle est morte chez lui. Donc elle était en mariage. Voilà un milliardaire. Vous êtes ici, vous venez m'insulter. Alors que je suis plus riche que tous ces milliardaires là. Seulement qu'elle ne veut pas montrer. Oui, personne n'a failli me tuer. Donc mieux je vis comme celle qui n'a pas. C'est comme ça. Mais quand elle veut mes 50 euros, quand elle veut mes petits 10 euros quelque part, elle part, je prends. Elle part m'asseoir. Oui, et le manque que je n'ai pas. D'accord? Voilà. Mais j'ai plus qu'elle. J'ai plus qu'elle 1 milliard. Ah oui. Aucune d'elles là ne me vaut. Aucune. J'ai gardé les enfants de Lady Ponce pendant 2 ans. C'est 250 euros par mois que son chou envoyait pour la nourriture. Hein? 250 euros, ça nourrit même un enfant par semaine. Non. Pour vous dire que dans cette maison, je payais même plus qu'elle-même. Elle ne payait rien, puisque c'est son chou qui payait. Je payais le téléphone. Je payais EDF. Je payais la nourriture. Quand l'enfant a un accident, je paye puisque. Elle n'a pas laissé la carte vitale. Elle n'a aucune assurance. Je paye l'assurance, oui, parce que si je dis au père de mon fils qui est agent général d'assurance de faire l'assurance, il fait l'assurance. Eh oui, c'est moi qui paye. Même si c'est 19 euros, mais au moins que l'enfant soit assuré à l'école. C'est moi qui paye. Il dit, tu as payé. Tu as dit au Cameroun que paye l'assurance de Manouche à l'école. Tu n'as pas dit. Tu as dit que je paye l'assurance pour Martial. Tu n'as pas dit. Tu es venu seulement dire que je l'ai hébergé, c'est tout. Mais comme les gens sont tellement cons, ils ne voient pas les dessous de l'hébergement. Tu m'as abandonné avec tes enfants. Te voilà même que depuis que je ne suis plus là, on t'a vu avec tes enfants. Noël est passé, on t'a vu avec tes enfants. Non, on te voit avec tes enfants. Non, tu es une mère indigne. Tu es une mère plus qu'indigne. Hein? Je te vois hier, tu es au deuil de Céline. Donc, tu pars dans les deuils des gens au Cameroun. Ta fille bébé J est morte, ta danseuse, tu es au deuil. Tu nous as posté une photo de toi au deuil de bébé J. Hein? Aucune photo. Tu n'es qu'une opportuniste. Et ça là, les tontons là doivent savoir que je suis au courant. Oui. Parce que j'étais un peu comme. Comment on peut dire? Comme le Marc. Oui. Donc c'est moi qui gardais les enfants. Dès qu'elle finit avec vous, elle me dit combien vous lui avez donné, elle me dit ce que vous avez fait et tout, machin, tout. Voilà. C'est ça. C'est moi qui étais derrière. C'est ça que beaucoup pensaient là que oh, c'est moi qui lui a présenté aux gens et tout. Ce n'est jamais moi. C'est dans sa borderie là-bas dehors qu'elle les a rencontrés et elle est venue me raconter. Ce n'est jamais moi. Elle peut présenter une pute comme ça là à mes oncles ou à mes cousins. Là, là. Hey, je m'en vais mon train. Hey, hey, les gens, je cours mon train. Porte quoi? Bordel comme ça là. Mets ton montrer le feu. Voilà. Tu as voulu régler tes comptes avec les hommes. Tu as voulu régler tes comptes avec les hommes. Voilà. On va tous régler nos comptes avec la fessie.
Du place réservée. Mes gens, partagez le direct aussi. Voilà, un bordel comme ça, là, où j'avais deux cousins, tu n'as pas honte. Même pas honte, c'est comme si tu racontes à tes copines comment tu me bindes avec les papas des gens. Voilà, tu racontes aux gens. Voilà une fille comme ça, moi elle peut jamais raconter même à ma copine la plus intime comment je fais avec mon gars. Toi tu c'est à vous qui avez dit. Ah merde. Laissé ah sur oui, le... oh là là, il est tombé. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Merci, vous êtes gentil. Merci, que Dieu vous bénisse. Oh là là, j'ai pas bien fermé mon sac. Hey. Comme ça que j'allais monter dans le clan. Comment qu'on est en personne ne peut utiliser des choses sans pièce d'identité. Ça à cause de ouais, les blancs. Hey. Maman, à cause de Mimbara la sorcière, elle ne peut même plus jamais refaire. Donc c'est pour ça qu'elle s'est incronisée. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que dès qu'elle s'est incronisée à Paris, elle a couru au pays pour aller refaire un autre grand concert. Elle savait qu'elle allait fuck off. Elle savait. Elle savait que pour elle, sa carrière allait finir. Elle savait que vous deviez découvrir qui elle est réellement. C'est ça. Vous n'avez pas compris. Pourtant, je vous avais dit ça. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de problème. Tapez sur moi. Mais quand vous allez découvrir qui elle est, vous serez dégoûté. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de problème. Tapez sur moi. Encouragez-la à me voler. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un phénix. Je vais racheter. Je vais tout racheter. Mais vous, quand vous allez découvrir que vous l'avez encouragé à me faire du mal, alors que je lui avais fait du bien, vous avez vu une fille que même sa soeur qui est venue dire là qu'elle donne 2000 euros pour qu'on me tue et tout. Pendant tout le Covid, je n'ai jamais reçu même un appel de cette femme me demander comment vont ses neveux, comment vont les enfants, est-ce que vous avez à manger et tout. Des gens bizarres, des gens qui ont le cœur dur, la méchanceté. Mais c'est bien parce que vous ouvrez les yeux, c'est bien. Ça veut dire que je n'ai pas passé 40 jours à Loudon pour rien. Mais 40 jours là, c'était pour que vous ouvrez les yeux sur cette fille-là. Et je suis contente aujourd'hui que vous ayez enfin ouvert les yeux. C'est pour ça que vraiment, j'exhorte certaines personnes à prier. C'est-à-dire, ne vous découragez pas. Si vous vivez une injustice, ne vous découragez pas. Priez. Ce truc-là m'a tellement fait, ça m'a tellement touché que vraiment, je n'avais que la prière. Je me suis repliée en prière 40 jours. Oui. Quand j'ai reçu un signe à Lourdes que je pouvais rentrer, c'est là que je suis rentrée. Et Mangue ne pouvait pas rester à côté de moi parce que je suis devenue une autre personne, je suis devenue illuminée. Mangue est sorcière. Donc elle pouvait pas rester à côté de moi. Donc maintenant là, après mon retour de Lourdes, toute personne qui n'est pas bien, la personne elle-même allait commencer les problèmes sans technique. Et dorénavant, c'est comme ça ma vie. Quelqu'un qui n'est pas bien ne peut pas rester à côté de moi. La personne va faire des petites choses, des petits gestes, des choses qui vont faire que je vais me rendre compte que cette personne n'est pas bien et je vais m'écarter de la personne. Voilà. Donc quand je vois les gens qui viennent me dire que ouais, machin, nanana, vous n'avez rien compris. Et tant mieux, vous ne pouvez rien comprendre. Vous ne comprenez rien à mon système, vous n'allez jamais rien comprendre. Voilà. Donc mes gens, je prends mon train. Je vous embrasse. Voilà. Le dégoût, oui, quand. Ouais, quand petit. Une fois dégoûté. Oh là, Carmina. Je vous avais dit que vous serez dégoûté. Quand vous avez découvert qui est cette fille.
Ça dit, biso bidon. Un rat, pourquoi on a bête, pourquoi on est méchant, et tout, tout. Mais pourquoi on garde tes enfants? Pourquoi garder tes enfants pendant le Covid? Les gens. Tu as perdu un téléphone. Ah non, le téléphone n'a dit. Je cherche le téléphone qu'il faut dire. Il dit, ah, pourquoi j'ai perdu un téléphone? Yes. Hein? Donc pendant le Covid des méchants, il y a eu, nous on a vu une voyelle que son fils est devenu fou dans la maison. Son fils est devenu fou. Il l'a tué. Voie E et le niveau de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le train intercité en gare. Il l'a tué. Sa mère, il a poignardé sa mère. Il y avait des accidents. Pendant le couple se sont séparés. Maman a pardonné avec son père. Quand je l'appelle qu'il y a des problèmes ici, elle me dit que hé, hey, débrouille-toi avec tes enfants. Maman, ses enfants sont devenus mes enfants. Vous voyez qu'une cancanga comme moi, que ça a 41 ans que moi, elle est accouchée. Pour faire mon enfant qui dit que les amis de bord, mais il me retrouve du jour au lendemain avec 4 enfants, les adolescents. Il me suis jamais, même mes petites soeurs, même. Moi, je payais seulement leur école, je payais tout. Je me suis jamais occupé d'un enfant ici. Avant mon fils. Mais monsieur le grand m'occupait des adolescents en main. Vous savez ce que c'est? Hey. Je vous jure. Les problèmes de ça. Oh, bon chat. Tu es là. Est-ce que Capi rigole? Capi aime les bonnes choses. Capi aime toi les bonnes choses. Capi, on ne perd pas le pape. Même dans le game. Pour rester bien, ça vous en fout. Attention, un bazar. Les gens n'y va que moi. Je suis seulement à l'amour d'un capot quelque part. Okay. Voilà. Parlez de quoi? Allez. Petit idiot là. Elles peuvent comprendre quoi notre système. Bon, les gens n'y vont pas. On va faire un peu de commerçage, attendez. Vous aimez alors, vous aimez quand il parle comme ça. Sont les villageoises là. Quand vous voyez Capi là, vous voyez d'abord le look de Capi et tout, c'est votre niveau. Tu as les petites filles de Yaoundé là, quand elles parlent de vous, quand elles viennent m'insulter, elles guettent les profils. Tu vois, c'est là les cancans pour faire dans un loup du quartier là-bas. Je secoue sur ma tête, je dis oui, tu. Mais mes petites soeurs, vous-même, quand vous voyez, vous m'en voyez là. T'as dit, je ressemble à ce qu'on vous dit là. Non, non, on n'a pas se dit la vérité. Non, non, disons-nous la vérité, c'est dimanche. Vous riez même quoi? Vous qui voulez être blogueur et blogueuse là, sachez qu'on va vous faire ça dur ici là.
Vous voulez être blogueur et blogueuse. Vous voulez l'argent. Vous voulez être riche. Oh, vous faites ça. Vous connaissez les problèmes que j'ai eu. Quand tout le monde savait que j'avais l'argent, quand il partageait, il distribuait. Et je vivais comme une petite malade. Je peux rester là 6 mois. Je compose le white. Dès qu'il me donne, je prends et commence à partager. Vous savez ce que j'ai eu. Tu partages, on te tue. Tu ne partages pas, on te tue avec les insultes. Mesdames et messieurs, notre interdit de la destination de Paris Austerlitz va repartir pour vous. Merci de ne pas gêner la fermeture des portes. Attention au départ. Pas le quoi. Pour de quoi. Hein, génie. Je t'ai dit à Lise, ma soeur chérie, tu vas bien. Merci, Pontiac. Pontiac. Vous avez vu le gâteau de mariage des enfants de Kadji et Angèle Kam. Cherchons l'argent vivant. Vous avez vu le gâteau. C'est pas les gnorgnons, c'est pas les conneries. Voilà alors les vrais milliardaires. Vous avez vu quelqu'un insulter ou bien critiquer. Vous avez même vu une fausse publication ou bien machin? Non. Vous avez même vu une plainte que wow, il n'y a pas de musicien camerounais? Non. Aucune plainte. Quand le zone loi va épouser Mélissa une deuxième fois et qu'il va nous faire une grande fête, vous allez entendre les wow 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 partout. Quand le zone loi va nous prendre flébon, pour ramener là au Cameroun quand il va refaire son voyage avec Mélissa. Maman, vous allez voir la toile. Avec les plaintes. Avec les plaintes. C'est pour ça que je vous ai dit que 2025 arrive. Je crois que l'étiquetage des bagages est obligatoire pour éviter qu'il ne soit pas. 2025 arrive, quand il dit 2025 là, je n'ai pas besoin de faire des dessins. Créer les faux profils. Créer les parages. Hier, on m'a bloqué 2 profils, vous savez ça. Hier, on m'a bloqué 2 profils, 30 jours, 30 jours. Tous mes comptes sont rouges parce que j'ai tellement insulté avec eux. Maintenant, dès qu'on me signale ce moment-là, on me bloque seulement 30 jours. Mais j'ai au moins 100 comptes. Oui, et je ne me cache pas avec mes faux profils, ce sont mes photos moi-même. Oui. Et même ma photo moi-même, et quand j'ai un commentaire, il dit que c'est moi, Coco. Assumez vos faux profils. Préparez-vous parce que ce qui arrive là, ce qui se passe avec le grand frère Zombo là, c'est petit. Ce qui arrive pour 2025 là, vous ne connaissez même pas. Je vous dis ça depuis 2018, que les autres ont de l'avance. Et comprenant avec ce qui se passe, c'est que la guerre arrive. Et la guerre, c'est pour vous éradiquer parce que vous êtes bête, parce que vous êtes manipulable. Moi, maintenant, quand quelqu'un me fait le chantage, wow, si c'est surtout pour la cuisine, elle dit, va te faire foutre parce que de toutes les façons, elle ne prépare plus. Pas plus. Ouais. Donc, quand un peu me faire le chantage pour la cuisine, là. 2 personnes m'ont appelé hier pour me dire que oh, ils ont les marchés pour moi. Elle leur a dit qu'elle ne prend plus aucun marché. Ouais, parce que ça, c'est les pièges. Vous étiez où pour m'appeler il y a 2 semaines ou bien 1 semaine pour me dire que vous voulez que je prépare votre mariage. Maintenant, avec l'histoire du zone noir, là, et tout. Je sais qu'on voulait me piéger là, que oui, on veut que tu viennes préparer là-bas. Me taper là-bas ou même pour me tuer. Bon, maman, vous allez mourir avant moi. Ceux qui veulent me tuer là, vous allez mourir. Si quelqu'un demande même sa voiture qui vient me tuer là, il va faire le tour. N'importe quoi. Voilà les gens. Donc, le bras droit du zombie est sorti. Les gens ont commencé à le menacer de mort. Mais vraiment, vous avez la clé. Tout le monde va mourir. Vous qui pensez que vous allez tuer les gens ou bien vous menacer les gens de mort, tout le monde va mourir.
Pierre, tu remets quoi, non? Je dis quoi? Les gens, les employés du Zomblo, là, vous avez Internet gratuit. Créez les faux profils. Que la guerre sur Facebook. Partout où on publie le Zomblo, dès que quelqu'un vient mettre haut, machin, tu, vous bombardez, prenez les photos de profil ici. Que libérez Zomblo ou bien fabriquez vous-même même vos flyers. C'est la guerre. Polluer, inonder Facebook avec libérer le Zomblo, libérer le Zomblo, libérer le Zomblo et coup, inonder les réseaux sociaux avec ça. Hein? Parce que la guerre a déclenché sur Facebook, c'est sur Facebook. Avant d'arriver dans les télés et toutes les chaînes de radio, là, ça a commencé sur Facebook. Donc, armez-vous, vous êtes là. Et votre arme, c'est quoi? C'est les profils et les commentaires. Polluez-moi, inondez-moi. Quand JPON se connecte, vous vous mettez là-bas, vous bombardez les têtes de mort. Vous envoyez les têtes de mort. Je dis que les têtes de mort, vous bombardez les têtes de mort là-bas. Vous signalez son direct parce que c'est ce qu'eux, ils font. Vous voulez qu'on vous apprenne la guerre. Quand on vous dit que je suis derrière dans Facebook, c'est comme ça. Moi, j'ai les groupes de signalement de 500 personnes. Si elle veut signaler, là, elle met. Je prends le cran, mais j'aime pas. Je vais couper tout le temps là, j'aime pas ça. Je vous donne rendez-vous demain pour un direct fracassant. Là, j'ai fini les vacances avec mon fils. On s'est bien amusé. Pendant que les connasses là, je sais même pas si elles ont vu leurs enfants depuis des mois. Et tout, vous avez vu? Passer les vacances avec mon fils, maintenant tranquille, je reprends ma vie de jeune femme et tout, dans un mois et demi je le reprends et tout, pendant que vous êtes là sur internet à insulter, à raconter n'importe quoi, vous pensez qu'une femme qui a fait un enfant ici en France, avoir un homme comme le mien là peut suffire? C'est qu'on ne vous raconte pas parce que vous êtes jalouse de tout. On ne vous dit pas. Mais vous dites qu'on n'a pas. Hein? Oui, on n'a pas. Là, même les connards, je vois les connards qui me draguent même de partout en Afrique avec les noirs visages et tout. Et tout. Vous me voyez avec vous les noirs encore. Malchance. Malchance.